Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue pour la suite de nos aventures dans Spirit Farer. On venait de dire au revoir à Summer. Et eh bien, on va voir ce qu'on peut faire d'autre pour nos petits compagnons de voyage. On est le matin, on sonne cette cloche. Et on choisit une direction où aller. On avait dit qu'on aimerait bien aller à Poncont et compagnie. Qui du coup se retrouve un petit peu loin. Est-ce que ça vaut le coup? Ah bah Olga a déjà nos ressources. Bah écoute, on va prendre le bus pour que ça aille plus vite. On a Alice à emmener à la proue. Alors, tu as peut-être un peu faim. Qu'ai-je à donner? On a du poulet crié, tiens. Et est-ce que on peut par exemple te donner pour ta fameuse petite laine, genre un tissu de laine? Qu'est-ce que c'est? Une couverture pour moi? J'ai déjà eu une couverture de laine que j'aimais beaucoup. Je l'ai sûrement égarée. Eh bien merci, c'est très gentil de ta part. On est parfait. Bonjour Alex, je veux voyager. Là. Merci. Oui, j'arrive à Tulle. Je mets en route le bateau. Direction Olga. Ensuite, on ira à Poncont et compagnie. Bah, t'es déjà parti du coup, Atul. Atul! Mon mouton, il a même pas faim. Aurais-tu mangé dans le jardin, cher petit mouton? Hein? Je te vois, c'est pas que j'avais oublié de planter des choses. Hein. Tu en as mangé. Donc, pas de stimulant pour toi. Du réconfortant, à mon avis, ça va le faire. Non, c'est tout. Je te fais un câlin, du coup. Et j'en avais besoin. Oui, c'est ça. Non, là, c'est plein. Ça a soif. Ai-je quelque chose à te donner en goût à apprivoiser? Oups. Prends-tu du café, du thé? Oui, mais... Et il ne veut pas de câlin pour aller mieux. Pour Atul, on peut lui donner à peu près n'importe quoi. Petit café? Et niveau humeur, eh ben, il est pas mal. Il doit me rester Giovanni quelque part. Oui, voilà, Giovanni qui a faim. Et lui, il aime la cuisine raffinée. Et tu as déjà eu de la nourriture raffinée comme ça la dernière fois. Eh ben, tant pis pour toi, t'as droit du thé. Ça frappe vachement! Je tremble! Un sacré stimulant, Bambina! Délicieux et te réveille pour de vrai! Ah bah, il aime les stimulants, c'est bon à savoir! Et c'est déjà prêt, c'est quand même assez top! On va pouvoir avancer un peu les choses qui nous demandaient du marbre, comme la galerie de Gustave.
Enfin, si j'arrive à parler et cliquer au bon moment, au bon même temps, ça se passera mieux. Voilà. Un peu de cuivre, c'est parce qu'on avait besoin de plus, mais... Décidément. Voilà. C'est quand même rentable, hein. On a mis un minerai. Et on en récupère 8. Après, faut repasser à côté, hein, forcément. Mais c'est quand même pas mal. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait en remettre. Et espérer repasser dans pas trop longtemps. Refaire un peu de provision de tout ça. Niveau bois. Niveau bois, ça va. Je vais quand même mettre un petit peu de chêne. Et j'ai fini. Oui, j'ai fini. Ah. Non, c'était Alice qui voulait parler. J'ai vu. Hein, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, qui es-tu? Que suis-je? Oh. Oh, désolé, j'étais distraite. Je vais bien, ça va. Oui, oui, je suis certaine, ne t'arrête pas pour moi. Et nouvelle requête, le chapeau perdu d'Annie. Trouve une façon de sortir Alice de sa confusion. Sachant que ça s'appelle le chapeau perdu d'Annie. Qu'on n'a toujours pas ouvert notre colis Bouforama. Je suis en train d'y penser. C'est ton ami Madison. Comme aujourd'hui c'est ma dernière journée, je dépose ma plume à tout jamais. Toutefois, je te laisse entre de bonnes mains. Les gens chez Bouforama essayent quelque chose de complètement différent. On m'a promis que cette boîte mystère serait très en vogue. Essaye-la toi-même. Quel beau cadeau d'adieu. Et du coup, j'ai absolument pas fait gaffe si on avait débloqué une recette en passant. C'est pas grave. On va chez Boncompte et compagnie. Alors ça tout de suite, là j'ai du coup une fleur d'esprit. J'ai reçu du lait. Du lait, du lait, du lait. C'est plutôt cool le lait. Donc je disais, on est sur le chapeau perdu d'Annie. On va donc prendre la tenue de plage d'Annie. Oh, Annie! Tu as... Oh, je suis désolée, je t'ai prise pour ma fille. Tu es habillée exactement comme elle. Évidemment, le vent a emporté son chapeau. Quand je la trouverai, je pourrai lui dire où tu as trouvé le tien. Je suis sûre qu'elle aimerait en trouver un autre. Cela sera certainement plus joli que son chapeau rouge dépareillé. On va donc mettre un chapeau rouge... T'es pareillé. Annie, te voilà. J'ai eu peur. J'ai cru que tu étais partie. Je suis fatiguée. Nous sommes sur le chemin de la maison, n'est-ce pas? Dis-moi quand nous y serons. J'ai remarqué que quelques fruits étaient mûrs dans le verger. Je te les ai cueillis. Et voilà. C'est vrai que j'interagis pas toujours avec eux. Et ici, on va pouvoir faire la tempête. Je sais pas si on a vraiment besoin de faire la tempête, mais... Je crois qu'on en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Après, ça donne toujours des lueurs, hein. Trop lente, les échelles c'est trop lent. Et ce recoin là il est mal foutu. On va peut-être changer notre bateau.
pas grand chose près. Je vais faire par celui-là. Ouais, ce recoin est mal foutu. Mais c'est pas grave. On a quelques arbres, quelques fruits dans le verger. C'est parfait. On avait besoin du coton et là il y en a à récolter. C'est parfait. Alors sachant que du coup on va plus avoir Summer qui fait de la musique de temps en temps pour nos légumes. Hein. On arrose pendant qu'on est là, histoire de pas revenir pour ça. Et on va chercher des chocolats, il me semble, chez Bourgond et compagnie. D'accord. Vas-y, va jeter un œil. Il devrait avoir ça ici. Prends la plus belle boîte de chocolat que tu vois. Pas le truc bon marché. J'ai reçu une toute nouvelle cargaison derrière moi. Les choses vont bien pour le vieux Théodore. Vas-y, jette un œil. Et je peux donc acheter une boîte de chocolat. Remplie de tous les meilleurs délices chocolatés. Ah, il y a des choses que je peux pas acheter parce que ça coûte super cher, 60 000 pièces. Effectivement, 60 000 pièces, c'est intéressant. Et Alice va nous cuisiner un petit peu. Ah ah, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es formidable, Bambina, tu sais. Merveilleuse, exceptionnelle, admirable. Nous ne te méritons pas. Non, personne. Ok, on fait nos bagages, les gars. On ne mérite pas, Stella. Une seconde. Toi, magnifique petit trésor. D'accord, maintenant. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je te donne la boîte de chocolat que je viens d'acheter. Je ne sais pas si j'ai envie, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Haha, oui, elle l'adorera. Je le garde bien en main. Retournons sur le bateau, Bambina. Et moi, je vais juste en profiter. Puisque j'ai désormais le petit pouvoir qui permet de glisser sur les câbles. Ici, du coup, Astrid ramasse du minerai. On va faire comme elle. Si j'y arrive. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut glisser sur ce câble-là? Est-ce qu'il faut partir de plus haut? Lui, il nous dit juste merci suite à ce qu'on a vécu avec lui. Ici, c'est toujours verrouillé. Ah, on n'a peut-être pas encore le pouvoir qu'il nous faut. Parce que je vois en fait pas de câble. Je pensais qu'il y aurait un câble sur lequel glisser. Mais ça, ce sont des câbles, tout ce qu'il y a de plus. Décoration, donc. Il n'y a rien à faire. Après, je peux arriver ici. Est-ce que ça m'avance? C'est quand même une belle récompense, on va dire. Mais ça ne me permet pas d'ouvrir le bâtiment. C'est pas grave.
au moins on a fait ce pourquoi on était venu. Et ça, c'est quand même cool. Bah oui, les autres moutons, ils ont faim. Donc celui qui se balade, il me pectance des trucs. Il va donc falloir que je m'occupe incessamment sous peu de te faire une cabane, mon cher. Mais avant de te faire une cabane, on va déjà gérer le reste. Le reste étant construire la maison de Gustave. Il nous manque 3 fils de coton. Et pour notre mouton, il nous manque beaucoup. Des planches de chêne et des lingots de cuivre. On va pouvoir gérer ça. On doit pouvoir gérer tout ça. Histoire d'avoir ce mouton qui ne vient plus manger nos trucs. On va tout tisser. Cinq, c'est pas fifou. 8. Oui, 8 c'est mieux. On a dit des planches de chêne. On va faire un petit paquet. Histoire d'en avoir d'avance. Ensuite, il nous restera le lingot de cuivre à gérer. La fonderie est juste là. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on refasse du charbon. Ça va, il y en a encore plein. On a dit du cuivre, je sais plus combien, mais on a vu plus que 5, sachant qu'on a toujours pas trouvé l'amélioration qui va nous permettre d'augmenter notre rendement. Ce serait vraiment top. D'ailleurs, du coup, on va regarder ça tout de suite. Il en faut combien? Galerie à Gustave. On est bon pour la galerie à Gustave. Coral à mouton. Il nous en faut 12. Donc 12. On va devoir le faire 3 fois. Comme ça, on arrêtera d'avoir notre mouton qui vient manger dans nos cultures. Même si on s'en sert pas forcément de manière très optimale, hein, de nos cultures. Je les laisse vibrer et je plante un petit peu de temps en temps quand il y a des choses à planter. On cherche pas forcément à voir tout tout de suite, mais... ça éviterait par exemple qu'il mange notre coton. Alors que le coton n'en a pas beaucoup. On
dernier petit coup et ça le fera. D'ailleurs, est-ce que en passant, on en a besoin pour concasseur, on peut pas le faire. Planche de frêne, on n'a pas de planche de frêne. Poulailler, il manque des planches de frêne. Faut qu'on trouve où trouver des planches de frêne. Il nous manque un de marbre pour le moulin avant. Et de toute façon, il nous manque des lingots d'aluminium. Bah, la prochaine fois qu'on ira voir Olga, on devrait être pas mal pour le marbre. Du coup, opération, je construis un corral pour mon mouton. Est-ce que ça tiendrait dans ce petit trou? Ça tient dans ce trou. C'est parti. Et une maison pour Gustave. Elle est grosse ta maison, Gustave. Voilà, on va avoir un Gustave qui va être content. Ça en vaut la peine. On va tout de suite aller voir ce qu'il a comme amélioration possible. Les améliorations, c'est pas là. Les améliorations, c'est là. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Il va probablement nous le dire lui-même. Donc, du coup, mon deuxième mouton se retrouve. Mon troisième mouton se retrouve là. Pas très grave. Ici, les cultures sont prêtes. Et on va pouvoir reprendre la route. Je note que je n'ai pas défini de chemin. Je vais aller faire ça tout de suite avant de gérer Gustave. On sonne la cloche. Donc on était à Boncompte et compagnie. On pourrait déjà retourner chez Olga, récupérer notre marbre et notre aluminium. Et c'est sacrément tentant de se dire on fait quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est le plus optimal comme chemin. Mais ça le fera. On va donc avoir un Gustave qui va être content. Fantastique! Comme toujours, Stella, tu es parvenue à tes fins avec distinction. Et bien que je note que tu as ignoré la plupart de mes indications passées, c'est un bel espace que tu as réussi à construire. Ce sera un environnement de travail bien meilleur que cette maison d'invité. Et en prime, je peux même y déménager pour me concentrer entièrement à mon travail. Oh, ne sois pas surprise, je ne me sens chez moi qu'entourée de mon travail. Alors que certains entrevoient le fait de dormir au bureau comme une punition, moi, j'en ai plutôt hâte. J'ai hâte de remplir cet espace. Comme c'est excitant! Continue! Je vais retrouver mes choses et mes esprits et te dirai lorsque je serai prêt pour la prochaine étape. Et elle a pêché un peu pour nous. C'est top. Merci Astrid. Je crois que j'ai oublié Alice et que je l'ai laissée sur le ponton toute la nuit. Je crois bien que c'est exactement ce que j'ai fait et qu'elle a dû avoir bien froid. J'en profite pour récupérer nos coquilles. Je peux pas lui parler, je peux lui donner à manger. J'ai du pudding. Je ne peux jamais dire non à un dessert.
Il n'y a pas l'air d'avoir de choses qu'on aurait loupées. Tout va bien. Il va quand même falloir qu'on trouve ce qu'il faut faire. Et voilà ce qu'il faut faire. Amener Alice au seuil éternel et lui parler en portant l'habit d'Alice, celui au chapeau rouge. Donc... je pense qu'on va pas faire compliqué. On va retourner voir Olga. Et ensuite, on amènera Alice au seuil éternel. On a Giovanni. Trésor! Je réfléchissais. Et tu sais quoi? Seulement une boîte de chocolat pour une femme de ce calibre, ce n'est pas ça. Mais je sais exactement qu'est-ce qui pourrait compléter ce cadeau. Un joli bouquet de fleurs. Des roses vibrantes et voluptueuses. Et je sais exactement où en cueillir. Le parc Ambertown. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comme nous y sommes. C'est une bonne idée, hein? Définitivement une bonne idée, hein? Et encore une fois... pas un mot. Elle sera si surprise. On va donc pouvoir aller au parc Ambertown. Je dois avouer que ça pousse très vite hein, sur le dos des tortues. Ce serait dommage de s'en priver. Le chêne, on n'en avait pas forcément trop besoin. D'ailleurs, je sais pas forcément ce que je vais replanter. Sans doute la même chose. Ça fait quand même 8 minerais d'un coup. Seulement 7 pour le marbre, mais... on va regarder. Niveau du marbre, on a besoin. Ici, on a besoin de 8. Plus 8. Et ce serait à peu près tout. On en a besoin de 16, du coup. Et là, on en a que 11. Donc, on peut clairement se dire, je mets du marbre. Voire j'en mets deux. Comme ça j'en ai toujours 8. Donc je pourrais faire une des deux améliorations. Et je vais mettre du cuivre. Vu que du coup j'en ai utilisé beaucoup. Raté. Yep. Et on a fini. On va donc pouvoir reprendre notre route. On va pouvoir construire ce qu'on avait à construire. Donc c'est le moulin à vent que je voulais construire. Qui me demande des planches de chêne et du lingot d'aluminium. Donc, lingot d'aluminium. C'est parti. Ouh. Un petit peu trop. Ah là là. Raté. J'entends Alex. Je devrais finir de monter tout seul. Oui. Parfait. J'ai pas noté combien il fallait d'aluminium. 5, ça me paraît peu. Bah, c'est 5. Parfait.
Et du coup, il nous faut 15 planches de chêne. Mais on va tout de suite plutôt voyager. De nouveau au seuil éternel. Voilà, donc fabriquons nos bûches de chêne. Il en fallait bien moins que ça, mais ça devrait le faire du coup. Et voilà, je vais avoir assez pour faire un moulin à vent, mais ce n'est pas l'idée. Là, l'idée, c'est qu'on va aller chercher Alice. Oh, Honey, nous sommes ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Ça va nous faire un épisode un peu long, mais c'est pas forcément très grave. Et elle descend toute seule. Parfait. Quel paysage merveilleux! As-tu trouvé cet endroit toi-même, Annie? Tu explorais les environs tout à l'heure, n'est-ce pas? Quelle aventurière! Je suis si fière de toi! Ces arbres sont exquis. Eugène serait fâché d'avoir manqué ça. Il pourra peut-être prendre quelques jours de congé l'été prochain. Oui, revenons ici. Je pourrais rester ici à tout jamais. Tu ne m'as pas parlé de l'école récemment. Est-ce que tout se passe bien? Et tes notes, sont-elles? Oh, évidemment que tu es diplômée depuis longtemps. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je suis si confuse. Tu n'es pas Annie, hein? Mais oui, voyons. Je pense que je perds un peu la mémoire dernièrement.
Peut-être que Jeanne va. Lorsque tu verras ton père, parle-lui des arbres, veux-tu? Je suis certaine qu'il sera excité de se joindre à nous l'année prochaine. Voilà une petite étoile avec un chapeau pour notre chère Alice. Et comme Summer dans l'épisode précédent, Alice va nous laisser un petit quelque chose à récupérer, une petite fleur. Eh bien, c'est sur ces adieux à Alice qu'on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!